m'appelle Amadou Leïssar, dit conseiller. Je suis né le 28 octobre 1952 à Kolda, de parents originaires de Saint-Louis, de par mes grands-pères, fils de fonctionnaires, venu pour les causes de l'administration coloniale dans la région naturelle de Casamance. Dans une ville appelée Sildou, située à 400 km de Dakar, mais riche dans sa diversité culturelle. Très tôt, je suis piqué par la mouche, le virus de la chanson, parce qu'il y avait une grande diversité culturelle. Et très souvent, il y avait des événements festifs. Il y avait le bois sacré et pas mal de choses qui faisaient que j'aimais partager. Donc, j'ai intégré la deuxième formation d'un groupe de la place qui s'appelait Lucas Band de Sédou. C'est l'un des tout premiers groupes en Afrique à avoir intégré les instruments traditionnels dans la musique moderne. Je rejoignis en 1975 la grande formation de ce groupe, l'année où l'orchestre a été déclaré hors concours après avoir remporté la médaille d'or au Festival du théâtre populaire et de la musique. Donc, un peu voilà comment est-ce que je me suis battu une histoire de faire partie d'un orchestre. Et depuis lors, j'ai continué à travailler avec ce groupe. Donc si aujourd'hui je suis connu, si aujourd'hui je suis ce que je suis, je le dois en grande partie à cet orchestre mythique qui est Lucas Band de Sédou. Lucas Band de Sédou signifie tout simplement l'union culturelle et artistique de Sédou. C'est un mouvement associatif qui a été créé, n'est-ce pas, dans le souci d'organiser, n'est-ce pas, et de donner, n'est-ce pas, une source à sa jeunesse. Ce mouvement a été créé le 4 octobre 1959 et qui a vu dérouler en son sein les premiers musiciens comme Chérif Younoussaro, Fallou Fati, Djaliba Traoré, pour ne citer que ceux-là. Et ensuite, le besoin se faisant sentir, on a été récupéré des gens comme Abdou Kounta, Arfan Diatta et Seydou Ndaw Azrien Chor pour venir renforcer le groupe de Lucas, n'est-ce pas? Ces gens étaient dans un groupe qu'on appelait le Casa Creole Band Azrien Chor. En 66-67, Lucas a eu à remporter la première médaille d'or au Festival de la Jeunesse, puis en 67, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, donc déjà vers les années 70, rares étaient les groupes, hein, n'est-ce pas, qui pouvaient aller à Dakar pour faire des arrangements. Lucas Band de Sédou, d'abord, est presque l'un des premiers orchestres, n'est-ce pas, à se faire entendre au niveau des antennes nationales. Son objectif, c'était de valoriser le patrimoine culturel de la région naturelle de Casamance, comme je vous l'ai dit au départ. Parce que la Casamance est très riche en variété culturelle. C'est toute une symbiose de culture que vous pouvez rencontrer. Or, vers les années 70 et autres, là, il y avait l'influence de la musique cubaine qui se faisait sentir au Sénégal. Lucas est venu remettre les choses en question pour travailler et adapter son patrimoine culturel à cette forme de musique. Donc, ça, il a été le premier groupe à avoir intégré les instruments traditionnels dans la musique moderne. Donc aujourd'hui, si on parle de la musique africaine, si on parle de la musique sénégalaise, on le doit en grande partie justement à cet orchestre qui est Lucas Band de Sédou. Ainsi donc, nous avons sillonné la région naturelle de Casamance, bien sûr, on a sillonné le pays, donc on a connu aussi la sous-région, par exemple en grande partie la Gambie, où nous avons eu l'occasion de séjourner presque sous le régime de Yahya Jammeh,
Donc on a eu à faire presque 21 ans en Gambie. Et cela aussi n'est pas dû au fait que nous soyons engagés par Yaya Djamé, comme contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous, on avait un contrat de 2 jours qui nous a amenés en Gambie. Et de 2 jours, nous avons fait 21 ans en Gambie, n'est-ce pas? Donc tout simplement, c'est qu'au moment où on partait en Gambie, donc si vous voyez la discographie de Lucas Bande Sédiou, Lucas a imprimé son premier album en 1972, c'est l'album de Khelefa, où il y a Khelefa, avec Babou Diébaté et autres. Et ensuite, il y a eu la cassette Tchédo vers les années 82, parce que Lucas faisait une cassette par 10 ans. Donc, ensuite, il y a eu d'autres qui ont suivi. Et Lucas est allé pour la première fois au festival panafricain de la jeunesse à Tunis, représenté le Sénégal, ça c'était en 73, n'est-ce pas? Lucas a été également aussi au festival d'Alger. Ensuite, Lucas, comme je l'ai dit, a été déclaré hors concours au Sénégal après avoir remporté pour la 3e fois la médaille d'or, ça c'était en 1975. Nous, la génération, nous on était de la 3e génération, mes amis et moi, nous sommes de la 3e génération de Lucas. Donc nous, c'était notre première médaille d'or, n'est-ce pas ça, en 1975, c'est l'année où Lucas a été déclaré hors concours au Sénégal dans les compétitions. Donc souvent, Lucas maintenant allait dans les compétitions en tant qu'invité d'honneur, mais pas en tant que postulant, je sais pas, au titre. Donc ainsi de suite, en Gambie donc, 94, on est retourné en France, en 95, on est retourné en France, on a imprimé 2 albums, Samala et Saro. Donc c'est cet album qui faisait buzz dans la sous-région. Quand nous avons eu un engagement de 2 jours, nous sommes allés en Gambie. Quand nous sommes allés en Gambie, donc après les 2 jours là, on était sollicités. Donc on ne pouvait plus revenir à Sédiou. Nous sommes restés en Gambie, n'est-ce pas, pour animer ces soirées. Et donc ça a coïncidé avec la première tournée de Yaya Djamé. Donc nous avons tourné avec Yaya Djamé. Et ça a été un amour né entre Lucas et Yaya Djamé, qui était quelqu'un de très attaché aux valeurs culturelles et qui a trouvé en Lucas, n'est-ce pas, un groupe qui était là, qui mettait en valeur justement cette culture. Bien. Donc, après la tournée, les gens ont trouvé que Yaya, si à 100%, les gens le plébiscité, mais c'est que Lucas a joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans son positionnement, n'est-ce pas, que Lucas a beaucoup contribué, parce que c'est Lucas qui était chargé de faire l'animation culturelle de ses déplacements. Donc finalement on est resté et Yaya nous a pris en charge. Nous on travaillait parallèlement et maintenant chaque fois que Yaya avait un événement, il nous sollicitait, n'est-ce pas, mais on n'a pas été en Gambie du fait que ce soit Yaya qui nous ait tout simplement demandé d'y aller. Nous, on avait été pour un contrat de 2 jours et on s'est retrouvé à 21 ans en Gambie. Donc, pendant ce séjour qui a été bénéfique, d'ailleurs, si vous faites attention, souvent il y a beaucoup d'artistes sénégalais qui viennent en Gambie. Donc, Youssou N'Dour, dans l'une de ses pérégrinations en Gambie, a coïncidé justement avec un événement où Lucas a lancé un slogan qu'on appelait Al-Samadé. Et je crois que Youssou N'Dour même a sorti un album qu'il a appelé Al-Samadé. Ça, c'est un slogan qui était lancé par Lucas Bande Sédiou, par l'orchestre, n'est-ce pas, au cours des tournées de Yaya Djamé. Bien, donc, comme je vous l'ai dit, en amont, ah oui, ça c'est des choses qui sont purement techniques, n'est-ce pas, Dimawe Sou de Youssou N'Dour, si vous écoutez bien le tempo, n'est-ce pas, et la mélodie de chanson, vous verrez qu'il y a eu une référence sur l'une des chansons de Lucas Bande de Sédiou qui est Goumbé Goumbé Amina Badia Goumbé Goumbé Nyatera Sabi.
Ça, c'est un travail de professionnel. Les gens savent de quoi je parle, les techniciens en milieu savent de quoi je parle. Donc, c'est des gens, souvent, on s'inspire, on peut s'inspirer d'une chanson d'autrui pour créer quelque chose qui va buzzer. Donc, ça fait un peu part de cela. Souvent, évidemment, les gens qui sont de bonne foi peuvent accepter, mais certains, parfois, ils vous diront carrément que non, que ça a été une coïncidence. Voilà, donc c'est un peu ça. Je n'entrerai pas tellement dans les détails et je n'ai pas pour aussi revendiquer une certaine paternité, mais c'est pour vous dire que quelquefois, les gens sont là, on s'inspire de l'un, on peut s'inspirer de plus petit que ce soit, n'est-ce pas, pour faire de grandes choses en amont. Actuellement, donc, Lucas est rentré de Gambie, nous sommes à Sédhiou. Depuis un certain temps, nous essayons d'encadrer la nouvelle génération de musiciens qui est sur place ici, n'est-ce pas, et même les artistes traditionnels, nous essayons de les organiser, n'est-ce pas, les aider à devenir des professionnels de la musique, n'est-ce pas. Comment? En quoi faisant? C'est-à-dire que l'orchestre les prenait, ils viennent en répétition, nous essayons de les d'adapter justement les morceaux qu'ils jouent aux normes musicales, et pour leur permettre d'être plus professionnels, n'est-ce pas, et que au lieu qu'ils dépendent justement des populations, maintenant les gens vont dépendre d'eux parce qu'ils vont produire quelque chose qui va attirer, n'est-ce pas, donc les gens vont les solliciter et ce sera un contrat entre eux et ceux qui vont les solliciter. Donc c'est un peu pour ça. Donc mieux les former, n'est-ce pas. Nous, quand on est venu dans la musique, nous n'avons jamais été dans un conservatoire. Mais à force de faire, nous avons pu acquérir une certaine expérience qui nous permet aujourd'hui de pouvoir même donner des cours de musique. Parce que à force de faire, on a eu à apprendre beaucoup de choses. On sait ce que c'est une majeure, on sait ce que c'est une mineure, on sait comment est-ce qu'il faut déterminer un accord, n'est-ce pas? On sait en fait.